Bonjour et bienvenue sur AL1 Balagan. Aujourd'hui, je suis sur un terrain glissant à cause de l'huile. Normal, on fait une keila. C'est comme un tagine, mais avec des épinards confits. A tout de suite dans la cuisine rouge. Et tout est prêt pour faire notre keila. Alors, pour pouvoir la réaliser, on aura besoin de... J'arrive. Bernard, c'est moi qui vais faire la keila. Ah bon? Bah écoute, sois le bienvenu. Alors, on aura besoin de Bernard, mais on aura besoin également de... Pinard. Ah, presque. Mais non, on aura besoin d'épinards. Et également de 6 morceaux de basse-côte ou de paleron, d'aneth, de coriandre, de menthe, de persil plat, d'oignons, de lingots blancs, d'ail, de semoule fine, de semoule moyenne, de sel, de poivre et d'huile. Bernard, je suis ravi de t'accueillir dans cette cuisine rouge. Et d'ailleurs, pour célébrer ton arrivée, toi le prince de Tunis, une petite blague tunisienne. Quelle est la station de métro préférée des mères juives tunisiennes? Belleville. Eh ben non, c'est Monge, car Monge mon fils. Alors Bernard, raconte-moi tout, ces épinards, qu'est-ce qu'on va faire? On va les cuire à l'eau? On va faire une petite béchamel avec des œufs? On va les faire gratiner? Ben non, comme chaque Tunisien, on va faire des épinards frits à l'huile d'olive. Frits? Mais avec beaucoup d'huile? Avec beaucoup d'huile, surtout de l'huile. C'est l'ingrédient principal, l'huile? Exactement. Après l'essorage des épinards, on va mettre de l'huile. On met pas encore de l'huile. C'est on met pas de l'huile. C'est pour plus tard. On va faire sécher les épinards dans la poêle sans huile. Dès que c'est bien desséché, on remet sur le feu et on rajoute de l'huile. De l'huile et encore de l'huile. Alors, on rajoute quoi? Un verre d'huile, bouteille d'huile. Nous allons voir la quantité d'huile. On commence par 3/4 d'huile. C'est un peu long, hein, l'écrasage de... Mais oui, mais qu'est-ce que tu crois? C'est pour ça que je t'ai dit, il faut 2 heures. Il y a comme un petit air de Tunisie dans la cuisine rouge. Et donc là, on va faire... Qu'est-ce qu'on va faire, Bernard? Alors, on va faire une hasban. Une hasban? Oui, c'est une saucisse, c'est un boudin tunisien. Pour cette recette, on va utiliser les ingrédients suivants. La coriandre, l'aneth, la menthe, le persil plat, l'oignon, l'ail, la harissa, des feuilles d'épinards, du riz rond, de la viande hachée, du sel, du poivre et un œuf. C'est exact. On ne prendra que le jaune d'œuf pour maintenir toute la farce. Pour lier. Pour lier. Bernard, pourquoi t'as pas voulu mettre ce sel de l'Himalaya? Nafalabo, je connais pas ce sel, moi, la vérité. Moi, je prends le sel baleine, ça me suffit largement. Je ne sais plus si on fait de la hasban tunisienne ou si on fait des makis japonais. Pourquoi tu m'as sorti ce tapis? J'ai tiré ce tapis parce qu'on a, plus de boyaux en Tunisie. Comme à Paris, il n'y a plus de boyaux. Donc, on va essayer de trouver un système pour pouvoir faire des hasban avec du papier cuisson. Vas-y,
Bon, ben voilà, nos has-beens sont prêtes. Il y avait la danse du ventre, maintenant il y a la danse de la Havana. On a notre concentré de Pkeïla et on a notre has-been. Donc on va pouvoir maintenant faire la Pkeïla. Tout est prêt. Oui. Mais j'ai une histoire à te raconter avant. Ah, dis-moi. Eh ben, la semaine dernière, j'avais mal aux dents. Je suis allé chez mon dentiste. Ouais. Il me dit, ouvre la bouche. Halt. Fommé. Ah. Je râlais. De quel côté vous mangez? Ben, je lui dis, je mange pas dans le à nuit, hein, à Belleville. Pour accompagner la Pkeïla, on peut mettre de la semoule et du pain italien qu'on achète à Belleville, robe stalienne. Et justement, tout ça, ça me fait penser à une petite blague. Il y a monsieur et madame mon fils qui ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Mon fils. Non, mon fils, il s'appelle pas mon fils, il s'appelle Thierry, car Thierry mon fils. Et pourquoi je vous raconte cette blague? Parce que la semoule, c'est le symbole de l'abondance, de la chance. Et donc, on fait toujours du couscous pour justement souhaiter une bonne chance et quand on est heureux de quelque chose qui va bien se passer. Voilà, notre Pkeïla est prête. On a notre rasbana, on a cette viande qui a mijoté dans ce confit d'épinards avec ses haricots blancs et cette semoule. Mais qu'est-ce qu'on va se régaler? Allez, parlez, j'ai faim. Ah oui, on va manger tout de suite. Allez, je vous retrouve pour le mot de la fin. Saviez-vous qu'en Tunisie, l'usage était de cuisiner la Pkeïla pour stopper les guerres? Pourquoi? Bah, quand on cuisine ce plat, la paix est là. Pkeïla, où que soit le cas. Elliot de Londres en Angleterre. Je t'ai invité ici pour essayer un plat qui s'appelle Pkeïla. D'abord, je croyais que c'était dégueulasse parce que ça, c'est comme le pétrole, c'est très huileux. Mais en fait, j'ai goûté et c'est super délicieux. J'ai jamais goûté quelque chose comme ça dans ma vie. C'est à essayer. Ah non, mais il est guindé. Ah, hein, putain, mais il est... Ça commence à frire encore. On peut encore ajouter un petit peu d'huile, voyez. Bon, on va pas gêner, hein. On va pas... Oh. C'est trop, la poêle baisse un peu. Ah, ok, non, mais là, tu l'as pas. Ah, alors, on va avoir besoin de... Voilà. Ah, ça va. On recommence. Alors...